Noémie Fourdin, on est ici aujourd'hui à Woluwe. Il y avait le deuxième match pour Charleroi en play-off 2. Vous avez gagné contre Alost. Comment tout s'est passé ce soir? Difficilement, on a eu du mal à se mettre dans le match. Après, on a fini par se trouver. La deuxième mi-temps était meilleure, on en voulait un peu plus. Et on a fait du mieux qu'on pouvait pour maintenir le nul. On aurait aimé gagner les 3 points, mais malheureusement, on n'a pas eu les occasions pour. Oui. Et pour vous, comment la saison est passée pour ton deuxième passage à Charleroi? Très bien. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Les filles sont sympathiques et j'ai rien de spécial à dire. Oui. Puis les supporters, ils sont tout le temps en train de chanter. Pardon? Les supporters sont tout le temps en train de chanter. Oui, ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui sont derrière nous et qui nous supportent malgré les défaites qu'on a connues cette saison. C'est toujours chouette de savoir qu'ils sont là, quoi. Et comment vous voyez la suite maintenant en play-off 2? On va donner tout ce qu'on a pour aller chercher les matchs et faire de mieux en mieux. Vraiment mettre en application ce qu'on a pu apprendre cette saison pour gagner le maximum de points qu'on peut. Oui. Et vous avez aussi joué dans le grand stade cette saison. Comment ça c'était contre Bruges? C'était un honneur de pouvoir jouer dans ce stade-là. Contre Bruges, c'était difficile. On a eu quelques opportunités, malheureusement, on ne les a pas mises. On a encaissé un goal sur une erreur individuelle et on n'a pas su reprendre le dessus sur le match, même si on a un peu plus fait circuler la balle et essayé de dominer le jeu. On n'a jamais su revenir rechercher le point, quoi. Oui, mais on doit faire ça plus, jouer dans ce grand stade, ou on préfère jouer à Martinel? Je pense que si on jouait plus souvent dans le stade, on se serait habitué au terrain. Là, c'était un terrain qu'on n'avait pas l'habitude, qu'on découvrait seulement, qui était malheureusement pas dans nos pieds. Après, malgré ça, on s'est très bien débrouillé et on a donné tout ce qu'on pouvait contre Bruges pour maintenir le 0-0. Et donc, voilà. Quoi. Ok, je vous remercie. Bonne continuation et beaucoup de succès avec Charleroi. Merci beaucoup.